Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est sur Red Dead Redemption 2. On est sur la VOD du Let's Play numéro 9. On va découvrir ce qui se passe après cette rencontre de tabassage avec Thomas. On va aller voir Strauss au campement. On va essayer de voir si on peut. On a gagné un peu de thunes tout à l'heure. On a fait quand même pas mal de combats. Donc on va voir si on peut. Upgrade des choses au camp avec le registre tout simplement. Hop. C'est parti. J'espère que vous allez bien. C'est ce qui compte. Donc Strauss. Révérend qui est là. Je veux Strauss. Et abonnez-vous sur YouTube bien entendu si vous regardez cette vidéo. Et que vous êtes même sur le chat actuellement. Le lien de la description sera pop sur le chat Twitch. Probablement sur la vidéo YouTube. Ça c'est pas Strauss, Strauss c'est là. Et je vous laisse avec cette cinématique. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Et ben c'était une cinématique complètement insane. Oui, n'oubliez pas la cloche bien entendu pour les notifications. Alors, cette quête est au quai tiers. Donc là, on a quoi? Il faut aller de l'autre côté de la terre. Nanana, nanana. Oh yeah. Ok, on va faire ça. On va passer vite fait au registre. On va voir si on peut accomplir des miracles. Mais surtout, le bouton donation, genre c'est grave important. Donc ça, c'est l'ami Draglock hein, qui vous incite bien entendu à vous abonner. Et à faire des donations. Bravo à toi Drag, merci beaucoup d'être modérateur ici. Pensez-y. Pensez-y juste. Juste pensez-y en fait. Arthur veut une carte pour ses expéditions. Vous avez fait donner 250$ à la cagnotte de la bande. Alors hein. Pas de la bombe ça. Je suis pas le mec le plus sympa au monde en vrai. Améliorer le reste des tentes pour tout le monde. Alors là, je peux pas revitailler parce que. Ah, parce que je l'ai déjà fait en fait. Une meilleure attaque, munitions, carabine, flèche. Je suis vraiment trop sympa. Regardez, voyez mon argent, je le jette par les fenêtres pour ma bande de potes en fait. Comme d'hab en fait. Juste comme d'habitude. Couteau de lancer, fusil de munitions. La quantité de fortifications disponibles dans les chariots médicaux ont augmenté. Vous pouvez payer pour regarnir le chariot médical quand vous stockez son bas. On stocke son bas, pardon. Ok. Regardez-moi ça. Utilise l'argent de la bande pour ses améliorations. Écoutez, c'est un travail d'équipe. Ok. C'est juste un travail d'équipe en fait. C'est une famille, hein. Tout le monde a le droit de participer, ok? Non mais je vais mettre un peu d'argent dedans, en vrai. Non, je voulais pas prendre le registre. Guizep. Je vais aller à la gagnotte. Allez, contribuer. Ça a l'air assez vide, en vrai. Donner de l'argent. Il me reste que de la... T'es sûr que c'était... Je crois que c'était mon argent, hein. Donner les objets. Limite atteinte 5 sur 5. Voilà. Quelques dollars.
Pépite d'or, 25$. C'est parti. Boucle d'oreille. J'ai envie de dire un truc sur la gagnotte, mais bon, ça serait du spoil. Non, dites rien, ils ok. Tout se passe pour le mieux. Est-ce que je peux... Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse... Non, on peut pas faire du groupe. Un par un, quoi. C'est parti. T'as Juice, tu préfères DS ou R2... RDR2 Réaction Juice. Je sais qu'ils sont rien à voir, mais rien ne t'empêche d'avoir une préférence. DS, c'est le nouveau jeu, là, c'est ça? Merci French Monkey pour l'abonnement Prime. Bienvenue à toi. Si on peut mettre des petits Juice subs et des couronnes dans le chat, s'il vous plaît, pour lui. Ça fera toujours grand plaisir d'être accueilli chaleureusement sur la Juice TV. Parce que bah, c'est de la bombe. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, là... On a fait nos bails, on a pas mal de chemin à faire pour cette VOD. On va aller voir Marie Linton qui nous a laissé un petit mot en mode « Je t'aime, tu me manques, même si ça a été dur entre nous, tu comptes pour moi. Donc essaie de venir me voir, je suis pas loin, fais-moi des bisous. » Voilà, en gros ce qu'elle nous a dit dans notre dans sa lettre. Oh Marie, voilà, exactement. Par contre, tu vas arrêter de... Hein. Taïma, non, c'est pas le mien celui-là. Oh Marie... Si tu savais tout le mal que je fais dans l'ouest avec ma Winchester. Yes, il n'y a aucun sens. Oreco, merci beaucoup pour le resub et le 20e mois sur Juice TV. Merci beaucoup. Merci French à toi. Merci beaucoup, la vie. Allez, c'est parti. La chevauchée fantastique. Pardon, excusez-moi, c'était l'hymne national italien que je chantais. Parce que ça fait très cavalerie en vrai. Salut Juice, bonjour tout le monde, salut Roy. Je sais pas pourquoi je m'en prends aux chevaux, c'était pas prévu en fait. Je suis chassé par les chasseurs de primes. Je crois pas que c'était... Si, ça l'est. Désolé le cheval. Tout le monde se bat là, what the fuck. Tout le monde se bat, personne se barre. Premier qui se barre. Ah bah vite. De faire ça à cheval en vrai. Tellement plus agréable à la manette. Ah non, pas du tout. Non, mais tu dis tellement plus agréable à la manette parce que t'as l'IM lock en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Donc en gros, c'est pas que c'est plus jouable, c'est juste que c'est plus facile en fait. C'est ça. En gros, c'est ça que t'es en train de me dire. Parce qu'en gros, à la manette, t'arrives, t'appuies sur ta gâchette. Ton arme elle fait IM bot. Ah, alors que là c'est que du skill pur. Non, en vrai je... Comme je disais, je crache jamais sur les joueurs manettes parce que... Enfin les joueurs manettes compétitifs et même des gens qui jouent tout le temps à la manette, c'est assez impressionnant parfois leur mouvement. C'est si fluide qu'on dirait qu'ils jouent au clavier souris. Franchement il y a des mecs, c'est assez impressionnant. Comme... J'ai eu la chance d'être avec chez Eclipse avec Zank et Lohan. Et franchement, quand tu joues à la manette, j'étais en mode, mais putain, on dirait que tu joues clavier souris quoi. Donc là, j'en profite, hein, bien entendu, je vide les poches, je vais récupérer le cheval et on va repartir tout simplement sur notre mission. Je m'étais fait attaquer là, petite escarmouche. Ça, c'est un coyote ça.
Yo, est-ce que tu peux me laisser le loot? Il est arrivé quoi ce mec là? Bah yes. Je pensais qu'il allait se passer un truc à la... à Soldier of Fortune, mais non. Un peu déçu. C'est taxi. Sauter sur le train. Ah oui, donc on peut prendre le train en chemin. Bah bon. Allez. C'est parti. Peach ? Attendez. Attends bébé, viens ici, parce que la dernière fois, quand tu t'es mis là, t'as mis ta papatte sur l'interrupteur. Je veux dire bonjour aux gens. Bonjour YouTube, moi c'est Peach, j'ai même un Instagram, et je fais qu'embêter papa quand il travaille. Mais je dors là 90% du temps. T'as vu le cheval ? T'as vu le cheval comme il est beau ? Oh, ça y est, elle a capté l'attention du cheval. T'as vu le cheval? T'as vu ça? Hein? Oh! Oh! Allez, dans ta chambre. Enfin, quand je dis dans ta chambre, c'est surtout derrière mes écrans. Ben. Ta chambre est au salon, bien entendu. Elle a un lit, des coussins, elle a la chaîne... Elle a le wifi. Elle a une chaîne stéréo, elle a un écran LCD. Elle a tout... enfin, là, elle est sur les Aristochats, là. Hier, on a regardé... Et hier, j'ai joué à la Switch avec ma copine. Mario. Je crois qu'on a fait 4 mondes. Elle est genre à 6 crédits dessus. Je regarde derrière, on sait jamais, il y a vraiment un truc qui peut m'arriver sur la gueule, il me one shot. Aïe aïe aïe. C'était assez... Par contre, il y avait... Franchement, on a joué à un jeu, c'était genre Portal. Enfin, genre, j'ai trouvé vraiment ça méga stylé de jouer du canap en mode posé et tout. Et genre là, par contre, nos cerveaux, hein, on était les meilleurs. Hein. Allez, petite cinématique, je vous laisse la regarder. A tout de suite. Yes. Oh, I'm sorry. I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton, a caller for you. Elle vient de dire vraiment qu'il y a un appel pour vous? Oh my. Hello, Arthur. Hello. Mary. I heard you and your friends was around. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, why you've been you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that. Arthur. Mensonge. En fait, j'ai besoin d'argent et vu que je touche que le SMIC. Non, c'est faux, pardon, excusez-moi, c'était pour You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians. That strange religious oh, mon Dieu. Order.
Good for him. They're quite mad. On dirait vraiment les infos, en vrai. Kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... But I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Ah, en vrai, j'ai envie de lui dire non. Mais allez. Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. Il y a intérêt, oui. Mon campement, c'est la troisième tente à droite quand tu rentres. À tout à l'heure, Marie. Ok, du coup, il semblerait qu'on doit aider un petit con qui s'est mis dans des problèmes. Tout simplement. Donc on va essayer de trouver ça. Come on, girl. Aïe, aïe, aïe. Non, mais elle va pouvoir m'aider de sa façon qu'elle peut. Aucun problème. Du coup, on va juste manger un coup. Voilà, avec style. Très bien. Et je vais essayer de me remettre un petit peu... voilà. Voilà, juste celle-là. Parce que celle-là, en fait, est grave stylée en vrai. C'est assez important. Petit con, ça, on peut le dire, c'est le pire gosse de l'histoire. Et le pire gosse de l'histoire de Twitch, on le connaît tous. Alors, du coup, en gros, hop. C'est où? C'est là-bas. Repère. Ici. Repère. Voilà. C'est derrière moi, c'est parti. Vous savez, avant, de toute façon, c'était bah, c'était juste... enfin, voilà. Quand on n'avait pas d'argent, on donnait de son corps. Ce qui est plutôt normal, en vrai. D'ailleurs, pas du tout, what the fuck, en fait. qu'est-ce que je voulais dire? Sard point d'attention. Non, non, je parle, non. C'était une joke, hein. Moi, je parle dans le dos de personne. Moi, quand j'ai des choses à dire, je leur dis en face. Mais non, non, j'ai aucun problème. Alors, R2, quelles sont des impressions? Franchement, grave stylé en vrai. C'est tout? Est-ce que je vous ai diverti? Vous pouvez mettre oui en commentaire hein, si je vous ai diverti sur ce move. Merci Black Monty, salut Jou, j'adore, continue comme ça, tu le mérites bien. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup pour ton resub et ton troisième mois sur Adjust TV, l'ami, merci beaucoup. Ah, mais les corps se sont déballés sur la montagne avec les chevaux, terrible. Faut que je fasse attention aux patrouilles. Voilà. T'es mieux de juice. Non, c'est faux. Merci, c'était Lem. Merci beaucoup, l'ami. Bienvenue à toi. Merci pour ton Twitch Prime. Si on peut lâcher des juice subs et des juice couronnes. Des juice prime aussi, les amis. Eh, 12, faut que je te dise. J'ai oublié de te dire un truc tout à l'heure. Hier, j'ai oublié de te l'écrire. J'ai eu trois fois d'affilée la 310. Qu'est-ce qu'il fait mon cheval? Yes. Mastune. Ouais, celle du bus. Ouais, mais ça... Money. Money, 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 money. Ok, donc là on se dirige, désolé c'était une petite parenthèse avec
Escape from Tarkov, mais on n'est pas dessus, donc sorry pour ça. Donc là on est parti, on va essayer de trouver le petit rominé là. Bisous Douze, bisous, à plus tard. De rien, si vous avez besoin de crédit avec des taux imbattables. Ah bah parfait, écoute, c'est, on en parlait tout à l'heure en fait. On parlait de Confidis par contre. Est-ce que t'as peut-être des choses par rapport à CTLM? Dis-moi tout. Dis-moi. je crois qu'il faut que mon cheval boit. Enfin, mon cheval doit manger. S'approche de moi, je le bute. Please, mister, help out a fellow traveler. Ah, well, attends, il y a un truc. J'arrive, je comprends pas. Ah, attendez, il y a un petit bug, je crois. Tu comptes faire les choses secondaires, genre découvrir telle bête ou juste quête principale? Pour le moment, en fait, je veux juste découvrir un petit peu le jeu. Enfin, dans les choses principales. Je laisse les gens faire entre guillemets, bah, les choses, parce que, bah, aussi, bah, ils ont acheté le jeu pour. Donc, on fait un let's play complètement basé sur les principes. Et tout ce qui est, entre guillemets, comme si je rushais un petit peu le jeu, bien entendu, parce que... Et au fur et à mesure du temps, si vraiment on a bien avancé et tout, bah on pourra chill pour aller essayer de faire quelques missions secondaires et tout, tranquille à côté pour finir les pourcentages. Ouais, ça sentait l'arnaque de dingue. Je sens ça, moi je suis italien, je sens les arnaques de toute façon. Je les sens arriver, moi. Donc voilà, Fight Blue pour répondre à ta question. Donc là, actuellement, on fait vraiment du contenu VOD, let's play sur YouTube. Hein, les gens de YouTube, bonjour encore. Pour tout simplement ben, rusher un petit peu tout ce qui est quête principale. Et pour les secondaires, on verra ça. Je mettrai un petit message au pire en fonction d'eux. Mais pour le moment, on se focus sur ça. What the fuck happened there? C'est le cucu? Ouh, ça va aller vite, hein, moi les religieux. Nous nous aimions autrefois. Carapace de protection. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. Nashelodie. Boy has chosen a path, sir. Je crois que tu vas prendre une balle, bro. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. Vous êtes prêt pour la phrase magique ou pas? Safety. Une tortue atteint l'océan. La petite ref à World of Warcraft. Regardez-moi, c'est vraiment le fan club. Hein. C'est le fan club des tortues de l'océan. So do you have an answer? I don't know about this nonsense. Let me speak ah to mais the non. Are you always this negative and antagonistic, sir? Je pense que je vais lui mettre une balle dans la tête. Only when dealing with idiots. Now let me talk to the boy. Espèce de sanglier. Who do you think you are? That's enough, Arthur. Kid, come on. This is crap. You're better than this. Hop, je vous laisse avec ça. Better than thinking these fools know a damn thing about paradise. Now let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad man. Sure, but come home. Not a chance. Leave me alone, Arthur. I didn't ask for your help. Yeah. Let's go. Stop. Let's talk about this. Let's talk about this.
Merci Gotham pour le resub et le 21e mois sur Adjus TV. Merci beaucoup, Soon les 2 ans. Merci beaucoup. Ça, c'est Lannister. Mon cheval est trop puissant pour les courses poursuites, j'avoue. C'est ouf en vrai. Allez là, le religieux là, viens ici. Je vais t'apprendre moi. Putain, j'imagine ils sont un train en passant. Inside. Ouais, il va vite. Je pense que là c'est fait exprès parce que pour le blablabla. Je vais t'attraper, mais tu vois ce que je vais te faire. Je t'entends un truc de ouf. Ouais, je suis passé de. Passé de corde. Shoot. Merci beaucoup en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le train. Waouh. Just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Leave me alone. Please, kid. Yeah, just fait version, je parle. Put that gun down. I warn you, Arthur. I'm gonna. I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave Oula. Me alone. Je l'ai tiré dans sa main, mais en fait, ça a rien fait. I warn you, Arthur. Je voulais tirer dans sa main. Faut tirer dans les poils, je pense. Et pourtant, c'est écrit désarmer Jimmy. Là, je l'ai tué. Je l'ai tué. Kid, just calm down. Leave me alone. Allez, 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 allez. Now calm down. Il va jeter sous le train, c'est sûr. Go see your sister. Okay. What the fuck? Okay. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all on, a long on appelle time ça la double personnalité. Yes. Alors, elle est où ta sœur du coup? Parce que bon, ta sœur, il faut qu'elle me paye maintenant, on va pas oublier ça. Ah oui, très bien, on va pouvoir. Allez, c'est parti. Suivons l'histoire. Lisons l'histoire. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Chelonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did.
Et oui, grâce aux dons, les amis, grâce aux dons. Même Jamie le dit. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All father kept telling me was. Il a vraiment un sac à dos, c'est un plaisir. I had to get away. I couldn't take it anymore. On dirait qu'il le sort et qu'il la loot sur un troll sur Woo Retail quoi. Hey, don't talk about un sac Zoolander. What do you want me to say, Jamie? He's a good father, a nice man. You won't be happy I saw you. En fait, c'était des streamers. On dirait. My worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Mais putain. Yeah, I love apples. J'adore les pommes. Okay. Okay. I'm thinking more along the lines of carpentry or horses or something. Alright, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. C'est Chirac. What you do. I'm sure he did. Et c'est ce bon vieux Chirac. Dutch and, what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. Vous vous rendez compte que ce jeu se déroule en 1899 sans dire long sur le retard qu'avaient les Américains sur les Européens à cette époque. Ah bah ça après. Just ask me for a favor. You know Barry Lyndon's dead? Pneumonia. He told me. Il n'est pas en pyjama, il est en habit religieux. That's all in the past. Different people now. She's not. You seem just the same. Well, maybe that right there's a problem. Enfin, il bouge ça, c'est depuis longtemps. She's always too good for me. Let's just get you back to your sister. She's waiting. Est-ce que nous on recule, Louise avance? Here we are. She must be waiting inside. Enfin, après, il faut savoir que, enfin, en France, on est quand même bien. Sachez-le. En France, on est quand même bien. Il y a énormément d'aides en France que bah, les USA qui n'ont pas et que ça fout la merde complètement dans leur pays aussi. Hein. You're nervous about seeing her, aren't you? Watch where you're going. We going in then? Non, on va rentrer là. Ah mais attends, la cinématique a bugué ou deux fois il s'est passé quoi? Attends, mais il voulait rentrer en cheval dedans quoi, what the fuck? Make it quick or I might run off again. Oui bah tu prendras une balle de Winchester et je dirai à ta sœur que t'es mort. Regardez-le. Le hippie. Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home. Et je vous laisse avec la cinématique. My boy, my sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Vous pensez qu'elle m'a laissé des petites culottes dans sa valise ou pas? Mais non! Et l'argent! L'argent! Oh, you'll never change. I know that. Attends, mais je viens travailler gratuitement là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bail? J'aurais dû refuser. Et en plus, à la fin, pour qu'elle me dise, je changerai jamais. What the fuck en fait? The luckiest man alive, and I feel like a fool.
That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else allowed. Ça, c'est être faible, les amis. C'est être faible. I got off a fool of myself once more, but faible. Somehow I imagine I shall. Terrible. Terrible. Comment ça, partenaire? Je te connais pas, what the fuck, en fait. Je me parle pas, toi. Je suis pas ton pote. Alors, du coup. Pas ton pote. Ok, je dois repartir là-bas. Je suis pas ton pote. Plutôt ici, en fait. Yes. Eh ben, écoutez. On a encore de la marche à faire. Hein. Allez bien, Spirit. Je vais te faire des petits câlins. Viens ici. Hop. Les petits potes. Allez, tiens, mange un petit truc. Il a mangé ou il a vomi là? Pas trop compris ce qu'il y a. Oh, c'est beau chevaux qui passent derrière là. Chaud de Kalash. Kalash. Kalash, autre chose. Kalash, elle fait papa. Oh, c'est trop bien, Montesquieu. C'est trop bien que tes discussions avec Essendre. J'ai hâte de voir ce que vous allez vous envoyer. C'est trop bien. Allez-y, discutez, ça va me faire mon après-midi. Prof d'histoire versus Montesquieu. C'est parti. J'aime trop. Enfin, envoyez-vous des débats en vrai. Hein. Moi, j'aime trop regarder ça. Désolé pour YouTube, vous pouvez pas regarder. Venez voir nos lives aussi, c'est marrant. Voilà. C'est gratuit en plus. C'est comme YouTube. Et si vous voulez vous abonner, ben, vous pouvez vous abonner. C'est juste, c'est un clic. Et en plus, si vous avez Amazon Prime en compte, bah c'est gratuit. C'est juste insane en fait. Ah, je suis sûr qu'Essand est en train d'écrire un pavé. J'ai hâte de lire Essand. C'est dindon là. Les examens peuvent débattre, bien sûr, tout le monde peut débattre sur le chat. Tant que ça reste dans le théorème où on respecte les choses et qu'on se respecte aussi mutuellement, alors, il peut y avoir des débats sur le chat, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je n'incite pas aux gens de faire des débats où ils pourraient s'insulter, bien entendu. Ici, c'est bonne ambiance. Parce que sinon, vous êtes trompé de live. Faut aller sur des lives d'autres lives. Hey. Tonight, let's enjoy ourselves. Are we having a party? Maybe, just a little one. Gray? Mr. McGuire is back. Coming back home now. Je propose qu'on passe la fête. Mais attendez, moi avant de faire la fête, j'ai des trucs à valider en fait. Attends, en fait, la fête, c'est juste qu'il fallait que je revienne au camp en fait, c'est ça, en gros. Je crois que c'est ça. Mais pas du tout, il faut attends, what the fuck. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était quoi là-bas ? Valentine. Place à la prime, ok. And don't you worry, Miss Grimshaw, y'all crone. I'll keep them girls in line. If I have to whip them, I will. And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk elf. Okay, well, let's talk more later. All right, then. Bon, ça, on en reparlera plus tard. Ok. We'll have this camp running like clockwork. I love you bastards. Je pense qu'il va se passer un truc. Have fun. Have lots of fun. Ah oui, Sean est là. Even you, you grumpy old bastard, Arthur. La bonne service de retour de Sean, elle ne sera pas disponible pour quelques activités avant quelques temps. Ah! Donc là, ils font la fête, quoi. Donc là, il y a moyen que je puisse cancel la fête en allant tout simplement bah, dormir. Voilà. Je pense que je peux faire ça. Changer de vêtements. They
Chapeau fabriqué, chapeau fabriqué. Donc ça, c'est chapeau possédé. Pom 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 pom. Ok, donc tenue. L'as de la gâchette. Oh, joli ça. Hors la loi. Tenue de bagarre, le bandit. Ah, c'est de la bombe. En vrai, j'hésite. Mais celle-là est vraiment stylée. Il y a celle-là qui est belle. En vrai, celle-là est belle. Vas-y, je vais mettre celle-là. Manteau. La jolie veste. Bon, écoutez, on va se mettre comme ça, parce que c'est la bombe. Je voulais pas examiner, je voulais dormir. Pierre chapeau, par contre, waouh. Comment ça, Pierre chapeau? Il est stylé, mon chapeau. Allez, dormir. Pas ouf, le chapeau. Allez, je vais dormir. Histoire que la fête se termine et que je puisse avoir des quêtes, parce que bon, bah que ça fait, moi, je suis insociable de toute façon. Voilà, très bien. Ok. Donc là, je me rase pas encore, hein, parce qu'en vrai, j'ai une belle beubare et j'aime bien. Donc voilà, donc j'avais bien raison. La fête est terminée. Je n'avais rien à faire. Je suis pas quelqu'un qui aime bien faire la fête. De toute façon, en général, je préfère passer une soirée tranquille à la maison avec les copains. Donc bon, là, on a une tente. C'est un peu la même chose. Le devoir avant tout. En vrai, on a tout ce qui la fête. J'imagine, ouais. Allez, petite cinématique, peut-être. Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. I gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border. Faut que je change de skin, on dirait un mec qui va en soirée, enfin, à une soirée là. Ok, on est de retour. Donc il y a des choses qui s'installent là. On va devoir aller, il semblerait, quelque chose avec un train. Donc il va falloir probablement partir chercher des trucs. Chariots de pétrole, voilà. Donc on va essayer d'aller chercher les chariots de pétrole, les amis. Et je vais très rapidement changer de skin parce que là j'ai l'air d'être un... Je sais pas, c'est bizarre en fait. C'est bizarre. Examiner. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Comment j'ai pris le stuff tout à l'heure? Non, c'est pas ce que je voulais faire non plus. Dormir, examiner, lit. C'était où que j'ai changé d'avis? Eh bah, je sais plus. Mal. Ah oui, peut-être. Bah, peut-être, ouais. Voilà, changer de vêtements.
Ok, très bien. Tenue. Gâchette estivale. Le nouveau paraíso. Ça j'aime bien, ouais. Ça j'aime bien. Et je vais changer de chapeau. Alors celui-là vous l'aimez pas du tout. Il n'y a pas beaucoup en fait hein. Ça c'est quoi? Ouais, ça c'est, ouais, c'est le truc dégoûtant ça. On va mettre ça hein. On va faire grand chose de plus en vrai. Et manteau, il n'y a pas moyen que je mette un truc par dessus qui est stylé? Genre ça, voilà, parfait. Voilà, très bien. Pantalon. Vieux clochard. Voilà, pantalon de travail, parfait. Voilà, comme ça, nickel. Les bretelles, on s'en fout. Les bottes. Voilà, bottes de luxe. Très bien. Voilà, c'est beaucoup mieux. Grâce à ta modération, tu viens de passer à côté d'un débat très intéressant MP avec Montesquieu. Bah ouais, j'imagine. C'est trop bien, ouais. Ok, du coup, les amis, on arrête sur ça pour cette VOD. Je pense qu'on est on est là où il faut pour le moment. Donc, prochaine VOD, on va aller chercher tout simplement le chariot de pétrole qui se trouve à Cornwall. Ok. Et ensuite, bah, on verra probablement dans la prochaine vidéo peut-être cet assaut du train, qui sait. Au revoir YouTube, et merci d'avoir tout simplement suivi cette VOD. On se retrouve pour la prochaine. D'ici là, soyez sages. Et à la prochaine. Ciao.